L'histoire de Matoub, c'est un peu l'histoire d'Algérie. Voilà, Matoub, il a évolué avec l'Algérie. Donc, déjà, l'indépendance, il avait 4-5 ans, 6 ans. Donc, plein de problèmes, plein de. Son destin, il est lié au destin de l'Algérie. إن حكينا روايته في فيلم سينمائي فحتما سنروي قصة وطن مغدور تماما كما غدر به. هو الفنان معطوب الوناس، المتمرد والثائر والشاعر والملحن. مشروع فيلم لطالما بقي مجرد فكرة، وأخيرا سيمكن الحديث عنه ابتداء من اليوم. بروجي دو معطوب سي ابخي بن مهيدي، سي ان بروجي كون دوفي فير ديجا افون بن مهيدي. Le scénario, déjà, on avait écrit la première version en 2006. Là, on est en train de réécrire. On ne va pas tarder à commencer à chercher de l'argent. C'est un projet, hein, bien sûr. C'est pas un film qu'on va faire maintenant. C'est un film qu'on va faire en 2018, 2019. Mais il faut tout de suite commencer à. C'est un projet difficile. Sur le plan financier, sur le plan. Sur les acteurs, sur. Là, je bosse sur Ben Mehdi, qui va me prendre beaucoup de temps aussi. Mais en même temps, il y a des producteurs qui vont s'en occuper pour chercher d'argent, montage financier. C'est un film aussi compliqué, si ce n'est pas plus compliqué encore que Ben Mehdi. Le مخرج السينمائي Bachir Darraïs آمن بفكرة إخراج الفيلم عن الفنان حتى قبل الشروع في إخراج فيلم العربي بالمهيدي. سيناريو الفيلم موجود وبقي الحديث عن التمويل والذي لا يجد فيه درايس أي حرج في البدء في البحث عن تمويل أجنبي إن اقتضى الأمر ورفضت وزارة الثقافة التمويل. C'est-à-dire le ministère de la Culture, ou s'il veut participer au film, il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas participer, Matoub, déjà, on a déjà beaucoup de producteurs étrangers qui sont intéressés. Je ne pense pas qu'on aura un problème d'argent. Je ne pense pas. Mais moi, j'aimerais bien que le ministère de la Culture participe, bien sûr. C'est quand même Matoub, c'est un Algérien. Matoub, c'est un Algérien, un vrai Algérien. Donc, bien sûr, maintenant, s'ils ne veulent pas participer pour deux raisons et une autre, moi, je respecte. عراقيل يقول المخرج أنها تحد والتزام في حد ذاته لإخراج شخصية معطوب الوناس إلى العلن وهو الذي لطالما جهر بأفكاره ومواقفه دون خوف. Sauf, ça veut dire, mais c'est un film aussi humain, donc c'est pas un film sensationnel, c'est un film humain sur l'humain de Matoub, sur l'artiste, sur le poète, sur c'est un hommage aussi. Oui, c'est pas un film sensationnel comme veulent peut-être certains. C'est un film, on parle de l'artiste, de l'homme. Pourquoi Matoub el-Ounes? Parce que Matoub el-Ounes, c'est un symbole pour nous, la jeunesse déjà, de l'époque. C'est un homme libre, c'est un vrai Algérien, c'est un vrai patriote, engagé, que, comme il y en a peu maintenant. C'est un vrai, c'est un homme populaire, c'est un homme du peuple, un fils du pauvre, qui a révolutionné son époque, qui a laissé des empreintes. Qu'il y avait un combat, il y avait plusieurs combats à mener, donc au détriment de sa vie, au détriment de sa carrière, au détriment, comme il y en a peu aujourd'hui. العمل على شخصية معطوب الوناس ومهما كان جليا وبارزا من خلال مواقفه أعماله فنه كلماته وشخصيته إلا أنه يبقى من الأعمال التي تدخل ضمن سياق السهل الممتنع فهل سينجح بشير درايس في إعادة رسم شخص الوناس من خلال الشاشة الكبيرة؟ تغي الغفل غذا ينتهي النار نك مازالو